Bonjour les amis et bienvenue sur 100% gourmand, la chaîne de tous les gourmands. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une compotée de pommes de terre. Alors, on va dire que c'est une pomme de terre rissolée, mais qu'on va laisser archi-cuire. Pourquoi ? Pour qu'elle fonde complètement. Donc on va avoir ce parfum de rissolage qui n'est pas remplaçable. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite devant la plaque de cuisson pour procéder à cette opération. Alors voilà, recette ou technique, il n'y a pas plus simple comme façon de faire. Et on obtient des pommes de terre vachement fondantes, un délice. Alors, les pommes de terre, voilà, on fait juste des gros cubes de 1,5 à 2 cm à peu près de côté. Alors les pommes de terre, elles sont épluchées et rincées. Puis couper et on ne les rince plus. Hein, voilà. Là, le but, c'est qu'on va garder un maximum de fécule. On ne va pas éliminer trop de fécule. C'est-à-dire qu'une fois coupé, on ne les rincera pas. Hein. Le lavage, uniquement après épluchage et entière. Alors, on va minimiser la graisse aussi. On ne va pas faire des frites. Donc, deux, trois, quatre max. Pour 1 kg de pommes de terre, on baisse le feu, faut pas que ce soit la friture. On verse d'un coup nos patates. Voilà. Alors au début on montait pour faire chauffer quand même, hein. Donc au début on ait du chaud, c'est après qu'on va baisser. Alors pour parfumer on va mettre 4 gousses d'ail en chemise, comme ça, qui sont rincées bien sûr, du thym, et du laurier. Voilà, ça suffit pour avoir déjà un bon parfait. Hop, on mélange. Bon, là, ça démarre un peu fort. Donc, on baisse. Hein. On baisse. Dès qu'on a les premières colorations aux pommes de terre, en fait, on baisse le feu. On le met entre moyen et minimum. Hein. Vraiment une cuisson lente. Hein. On englobe les patates de gras, de la graisse, de l'huile qu'on a dans la poêle, comme ça. Je baisse encore et je vais couvrir. Alors soit vous avez une couverte adaptée à la poêle et c'est parfait, sinon vous trouvez ce que vous avez. Moi j'ai ça. Ça va tout doux, hein. Il n'y a pas le feu au lac, surtout pas. C'est une cuisson par expansion en fait. On a une demi-cuisson par rissolage et une demi-cuisson à la vapeur. Les deux combinés vont nous donner un arôme vraiment puissant de pommes de terre. Et ça va être le top. Alors à minima, hein, toutes les 2 minutes, on remue. C'est un plat qui demande de la présence quand même. Hein. C'est pas mis sur le feu et on s'en va tranquille. Hein. Là ça va un peu fort. On baisse. Faut pas que ça colore trop vite. Ça va être tranquille. Donc on n'hésite pas à baisser, 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 tant qu'on ne trouve pas le bon timing. Vous voyez la vapeur que ça dégage, ah ben ça c'est bon. Et comme je vous l'ai dit, on a une cuisson ni rissolée, ni vapeur. Ce qui va être excellent. Vous voyez, ça va vraiment être très très doux. Hein. Regardez, le feu est vraiment réduit à minima à présent.
Light, light, light le feu. Et toutes les 2-3 minutes, on revient. On peut saler si on veut, hein. Sinon ceux qui préfèrent saler dans l'assiette, ils peuvent saler dans l'assiette. J'estime qu'à la cuisson, ça se sale beaucoup mieux et de façon plus homogène. Après, ça n'empêche pas de ressaler dans l'assiette. Mais saler un petit peu à la cuisson, c'est très bien. Également. On continue, c'est pas fini. Voilà. Là, j'avais laissé 3-4 minutes, mais vraiment, mon feu, il est réduit à mort. Hein. Voilà les amis, après 50 minutes de petit feu, notre compoté de pommes de terre à la poêle est prête. Ça va être succulent avec n'importe quel rôti, poulet, etc. Ceux qui ont vu la vidéo précédente du poulet à la poêle, je vous conseille de faire avec ça, ça sera un délice. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve très vite. Ciao les amis, hasta la vista.